Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Néneige, Zoom et Néneige aussi. Dans cette petite vidéo collection, je vais vous partager notre collection de jeux Lego sur PS4. Et oui, depuis aujourd'hui, on a reçu les deux derniers jeux qui nous manquaient. On a le full set jeux Lego. Alors, quand je dis full set, je ne parle pas de toutes les éditions. Par exemple, si un jeu est sorti dans deux éditions différentes, je ne vais pas l'acheter dans les deux éditions différentes. Mais disons que c'est dans les versions les plus optimisées que j'ai trouvées. Et je crois que j'ai acheté tous les jeux neufs, sauf peut-être Lego le Hobbit, qui était assez difficile à trouver. Je ne me souviens plus comment je l'ai acheté celui-là. Alors, je vais vous les présenter un par un. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre alphabétique. Oui. Après, ça dépend. Lego Hobbit était assez rare quand même. Alors, évidemment, je les ai tous achetés en édition française avec la jaquette en français. Lego Brawl, c'est un jeu que je joue en ce moment. C'est assez sympa. Imaginez le jeu Super Smash Bros. Brother, mais version Lego, avec du Battle Pass. En ce moment, il y a la fin du Battle Pass Halloween, donc vraiment très sympathique. Et on peut retrouver d'autres joueurs en ligne. Alors, je vais les poser à côté. Lego Batman 3. Alors, pour faire Lego Batman 1 et 2, il faut passer par la Wii et la Wii U. Mais voilà, le premier Lego Batman à être sorti sur PS4, c'est le 3. C'est le seul Lego Batman à être sorti sur PS4. Ensuite, Lego Touka Drive, c'est l'un des plus récents à être sorti. C'est un jeu de course en monde ouvert, donc je ne l'ai pas testé encore. Lego Star Wars, le réveil de la force. Alors, il y a deux jeux Lego Star Wars sortis sur PS4, celui-ci et un autre jeu qui regroupe plusieurs univers. Pourquoi j'ai quand même acheté celui-ci? Tout simplement parce que il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à entre ce jeu Lego et l'autre Lego Star Wars. Alors, ensuite, Lego Ninjago. Lego Marvel Collection, voilà, donc j'ai pas acheté les jeux Lego Marvel à l'unité, j'ai acheté directement le pack qui regroupe les trois Lego Marvel. Il y a Lego Marvel Super Hero, Lego Marvel Super Hero 2 et Lego Marvel Avengers. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est optimisé. Il y a les trois jeux au lieu de dans une seule boîte au lieu de trois boîtes pour un jeu. Lego les Indestructibles. Lego le Hobbit, Lego la grande aventure, le jeu vidéo, celui-là c'était le 2, on voit le 2 à côté, du coup Lego la grande aventure, le jeu vidéo, le 1. Lego Jurassic World. Lego Harry Potter Collection. Lego DC Super Vilain. Lego City Undercover. Lego Star Wars, la saga Skywalker. En édition galactique. Je suis très fier d'avoir cette édition. Et Lego World, c'est le Lego en mode bac à sable, monde ouvert. Les deux dernières que j'ai reçues aujourd'hui, c'était Lego Star Wars, Skywalker et Lego World. Voilà, ça fait en tout 16 boîtes de jeux pour je ne sais combien de jeux, parce que dans chaque jeu, il peut y avoir plusieurs jeux. Par exemple, dans Lego Jurassic World, il y a Lego Jurassic Park, les trois premiers parcs, plus après le Jurassic World. Enfin, c'est compliqué, c'est le bazar. Mais disons que voilà, ça fait plein, plein, plein de jeux et plein d'aventures à faire. Des jeux pour tout âge, voilà, pour petits et grands. Et c'est vraiment très sympa, surtout si on aime bien collectionner les choses. Dans les jeux Lego, en général, il y a des personnages à collectionner, à récupérer, à débloquer, etc. Donc voilà, je voulais faire partager le full set Lego qu'on a enfin terminé sur PS4. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, bonne soirée.
Maintenant, il faut que je range tous les jeux.